Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 26. Open your Bible to Genesis chapter 1, verse 26. La Bible dit, Genèse 1, 26. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Let's read it together. 1, 2, 3, on y va. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Alléluia. C'est un passage que nous connaissons. We know this passage. La Bible dit The Bible says, que Dieu a créé l'espèce humaine, toi et moi, tous les hommes à son image. God created everything according to his image. La Bible dit que l'homme, le premier homme qui a été créé, ressemblait à Dieu. The first man that was created resembled God. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il ressemblait à Dieu. He looked like God. Et Dieu dit, And God said, créons l'homme à notre image. Let's create God according to my image. Qu'il nous ressemble. So he can look like us. Et il a dit, et qu'il domine. So he can dominate. Certaines versions vont dire, afin qu'il domine. So they can dominate. Sur le poisson, on the fish, sur tout ce que Dieu a créé. On everything that God created. Ce passage nous montre que, This passage shows us, pour que l'homme puisse dominer, For man to dominate, il faut qu'il ressemble à Dieu. He has to look like God. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Ah, j'oublie. Quand je demande, est-ce qu'on est ensemble? On fait comme ça. Let's do like this if we're together. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Est-ce qu'on me suit? Are you following me? Alléluia. 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 Pour que l'homme domine, so man can dominate. La Bible dit, The Bible says, il faut qu'il ressemble à Dieu. He has to look like God. Donc, la nature, nature. Ne respecte n'a pas de respect pour l'homme parce qu'il est homme. He doesn't respect man because he's man. C'est parce que la nature voit dans l'homme Dieu. Nature sees God in man. Dieu a tout créé. God created everything. Et le ciel. In the heavens. Tout ce qui existe sur la terre. Everything that's on les earth. Les animaux. The animals. Ont de la révérence. They have reverence. Devant Dieu. Before God. Et pour que l'homme puisse diriger la terre, For man to direct the earth, pour que l'homme ait l'ascendant sur la terre, to have domination on earth, Dieu a fait en sorte que l'homme lui ressemble. God made men look like him. Ça veut dire That means, que quand la mer when the seas veut faire des tempêtes, wants to have storms, lorsqu'elle verrait l'homme, when to go, man, vous savez, la mer peut pas noyer Dieu. The seas cannot drown God. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus était dans la barque, when Jesus was in the boat, pendant qu'il était endormi, while he was sleeping, la tempête voulait même tuer les disciples. The storm wanted to kill the disciples. Vous savez, toute la nature a des oreilles. All of nature has ears. Amen. Amen. Lorsque Jésus s'est levé, when Jesus got up, il n'a pas prié pour que la tempête s'apaise. He didn't pray for the wind il a parlé to stop. À la mer. He spoke to the wind. Il a parlé au vent. He spoke to the seas. Mais quand il s'est levé, when he got up, c'était un homme. It was a man. Mais la nature But the nature venait de voir saw Dieu. God. Et lorsqu'elle a vu Dieu, when he sees God, les vagues qui voulaient noyer les disciples, the seas that wanted to drown the disciples, lorsqu'elles ont vu Jésus, elles se sont arrêtées. When they saw Jesus, they stopped. Lui, because him, il a la face de Dieu. He has the face of God. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Amen. Amen. Donc Jésus, Jesus, dominait les maladies. He dominated over sickness. Parce qu'il ressemblait à Dieu. Because he looked like God. Dieu dit, God said, créons l'homme à notre image. Let's create God according to our image. Afin qu'il domine. So they can dominate. Donc parce que tu ressembles à Dieu, because you look like God, tu as le contrôle. You have control. Alléluia. Sur les circonstances. On the circumstances. Vous savez, les microbes. Germs. Ils ont toujours existé. They always existed. Dans la nature. In nature. Mais plus les années avancent. But before years. De moins en moins. Less and less. Les microbes ont du respect pour l'homme. Germs have respect for man. La nature. Nature. A de moins en moins du respect pour l'homme. Has less and less respect for man. On a des tsunamis. We have tsunamis. On a des animaux qui mangent l'homme. We have animals who eat man. C'était pas possible au début. That was impossible at the beginning. Parce que les animaux, because the animals, voyaient saw Dieu. God. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Dieu voulait que l'homme puisse organiser la terre. God wanted man to organize the earth. Mais pour qu'il puisse dominer, for him to dominate, il faut qu'il soit l'image. He had to have the image. Je veux te dire ceci. I would like to tell you this. Si tu tombes malade, if you are sick,
Ça veut dire que tu n'as pas la domination. That means you don't have the domination. Sur certains microbes. On certain germs. Ces microbes ne te respectent plus. They don't respect you anymore. Ils ont la capacité de t'attaquer. They have the capacity to attack you. De te donner de la grippe. And to give you the flu. De te donner des maux d'yeux. To give you all types of des maux de tête. Headaches. Tu ne les domines pas. You don't dominate over lorsque them. Tu es malade, when you're sick, ça veut dire qu'un germe t'a dominé. That means the germ has dominated tu es obligé d'aller prendre des médicaments jusqu'à le chasser. You have to take medications to take it away. Lorsque tu as des problèmes financiers, when you have financial problems, tu n'es pas au contrôle. You don't have control. Le texte dit, the text says, que l'homme soit à notre image. Let's create man to our image. Afin qu'il domine la terre et les ressources qui sont dans la terre. So he can dominate the resources of the Amen. Earth. Amen. Amen. Afin qu'il domine sur les poissons, sur la mer, etc., sur la terre et tout ce qu'il y a sur la terre. So he can dominate on everything on the earth. Sur tout. Everything. S'il te manque, regardez, même Jésus, lorsqu'il avait besoin d'argent, when he needed money, Jesus, pour payer les impôts, to pay the taxes, il savait qu'il y avait un poisson qui avait de l'argent dans son ventre. He knew that there was a fish that had money inside of it. Il a dit à Pierre, va le chercher. He said to Peter, go get it. Jésus ne manquait de rien. Jesus lacked il avait nothing. Le contrôle sur les choses. He had control on things. Pourquoi? Why? Parce qu'il était l'image de Dieu. Because he had the image of God. Si les hommes ont de plus en plus de problèmes, if men have more and more problems, c'est parce que les hommes ressemblent de moins en moins à Dieu. Because we look less and less like God. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de commencer une nouvelle année. We're beginning a new year. Et on s'est souhaité toutes sortes de vœux. We made all types of wishes. La vérité, the truth is, c'est qu'on souhaite que tous, on puisse ne pas être dominé par l'année, mais dominer l'année. We wish that the year doesn't dominate you, but you dominate the year. Alléluia. Lorsqu'il t'arrive ce que tu ne souhaites pas, when something happens to you that you don't wish, ça veut dire que ce que tu ne souhaites pas a pris le contrôle sur toi. That means that thing has took control over you. Tu souhaitais être bien important. You wish to be more important. Et malheureusement, tu es malade. Now you're sick. Donc, il ne t'arrive pas ce que tu veux. Whatever you wanted didn't happen. Il t'arrive ce que des germes ont décidé. The germs decided what happened. Dominer, dominate, c'est avoir le contrôle. It's to have control. C'est avoir le contrôle. It's to have control. Alléluia. Alléluia. Alors, pourquoi les hommes souffrent de plus en plus? Pourquoi les hommes souffrent de plus en plus? Pourquoi on a de moins en moins le contrôle? Why do we have less and less control? Parce que nous ressemblons de moins en moins à Dieu. Because we look less and less like God. Les microbes, the germs, les tempêtes, the storms, ne reconnaissent pas Dieu sur les humains. They don't recognize God on the humans. C'est pourquoi on a des cyclones qui viennent ravager. Tuer des vies. That's why we have hurricanes who kill lives. Ils ont toujours existé. They always existed. Mais ils avaient du respect pour l'homme. But they had respect for man. Parce que Dieu a placé l'homme comme son représentant. Because God has put man as his representative. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Alléluia. Alors, qu'est-ce que l'homme a perdu? What did man lose? La ressemblance à Dieu. A likeness of God. Qu'est-ce que c'est que ressembler à Dieu? What does it mean to look like God? Ça peut signifier quoi ressembler à Dieu? What does that mean to look like God? Dieu est un esprit. God is spirit. Est-ce que ressembler à Dieu c'est avoir le nez de Dieu? Does that mean to have the nose of God? Est-ce que ressembler à Dieu? Mon épouse et moi nous ressemblons par exemple. Me and my wife we look alike for example. On se ressemble vous trouvez pas? Don't you see that? Amen. Mais de même tous les humains nous ressemblons. All the humans we look alike. Quand Dieu dit que l'homme lui ressemble, when God says man looks Dieu like est him, un esprit. God is spirit. Comment est-ce qu'on peut ressembler à un esprit? How can we look like a spirit? Entre les humains, on comprend. Between humans, we understand. On a peut-être le même nez, les mêmes yeux, maybe la même taille, nose and la même démarche. Same way of speaking. Mais ressembler à un esprit, but to look like a spirit, qu'est-ce que ça signifie? What does that mean? Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Si tu es avec moi, if you are with me, alléluia. Dis avec moi, Seigneur. Say God, je veux te ressembler. I would like to look like you. Je veux te ressembler. I would like to look like you. Alléluia. Alléluia. Alors, pour faire ressembler à Dieu, to look like God, ou bien ressembler à un esprit, or to look like a spirit, c'est avoir le caractère de l'esprit. Is to have the characteristics of that spirit. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Amen.
Amen. Le pasteur Greg a des fils spirituels. Pastor Greg has spiritual sons. Qui n'ont peut-être pas le même visage que lui. Maybe they don't have the same face as him. Mais lorsque vous les entendez parler, but when you listen to them speak, lorsque vous les entendez marcher, when you look at them lorsque walk, vous observez leurs réactions, when you look at their reactions, vous pouvez dire, il est comme son père spirituel. You can say he is just like his spiritual father. On peut ressembler à quelqu'un, you can look like someone, sans que ce soit physique, without being physical, mais dans la manière de faire, but in the way of you do things, dans la façon d'être, the way that you are. C'est ce qu'on appelle la ressemblance en esprit. That's ressembler how you, à un esprit. That's how you look like un esprit, un caractère. It has a character. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. Donc, si l'homme veut recouvrer la domination, if man wants to regain domination, l'intelligence, intelligence, la puissance de Dieu, the power of God, pour dominer, to dominate, il faut qu'on ressemble de mieux en mieux à Dieu. You have to look more and more je like souhaite God. Que cette année, dans le nom de Jésus, tu sois de mieux en mieux l'image de Dieu. 2 Corinthiens 3, 18 dit, 2 Corinthians 3, 18, nous tous qui le visage découvert, all with unveiled faces, contemplons le Seigneur, we look at God, nous sommes transformés, we are transformed, en la même image, with the same image, de gloire en gloire. From glory to glory. Donc, on peut ressembler de mieux en mieux à Dieu. We can look more and more like God. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Alléluia. Amen. La première des choses pour ressembler à Dieu, the first thing to look like c'est God, de recevoir Jésus. You have to receive Jesus. D'avoir le pardon de nos péchés. To have the forgiveness of sins. Amen. Amen. Et l'autre étape de progression, the other step of progression, c'est le type de relation qu'on a avec Dieu. Is the relationship Mais you je ne vais have pas développer énormément ces aspects. I will not talk about that much. Dis avec moi, Saint-Esprit, say, Holy Spirit, aide-moi help me à ressembler à Dieu. To look like God. Alléluia. Alléluia. 1 Jean chapitre 4 verset 17. 1 John 4, 17. Pardon, verset 16. On va commencer au verset 16. Let's start with verse 16. Amen. La Bible dit, on peut le lire ensemble, 1, 2, 3. Let's read together. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Are you together? Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Let's clap for the word of God. Amen. Qui veut ressembler à Dieu? Who wants to look like God? Si tu es malade, if you are sick, tu tombes souvent malade, you are sick, c'est parce que tu ressembles de moins en moins à Dieu. Because you look less and less like God. Plus tu vas ressembler à Dieu, moins tu tomberas malade. The more you look like God, the less sick you'll be. Je te dis la vérité, oui. That's true. Alléluia. Plus tu ressembleras à Dieu, moins tu auras des problèmes financiers. The more you look like God, the less financial issues you'll have. Plus tu ressembleras à Dieu, plus tu vas attirer vers toi les choses qui concourent à ton bien. The more you will have great things coming your way. Et ressembler à Dieu, après qu'on ait donné sa vie à Jésus, est une œuvre progressive. It's a progression after nous giving your life to Christ. Nous tous qui contemplons, everybody that nous sommes transformés we're transformed en la même image. By the same image. Je commence à ressembler à la même image de gloire. From glory en gloire. To glory. Alléluia. 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 Amen. Et ce passage qu'on vient de lire nous dit en quoi est-ce qu'on va lui ressembler? This passage says how will we look like Il dit, him? Dieu est amour. He said that God is love. Amen. Amen. Dieu est God is amour. Love. La Bible ne dit même pas que Dieu est foi. He's not faith. La Bible ne dit pas que Dieu est espoir. It's not, he's not just hope. Mais la parole de Dieu the word of God identifie le caractère, la nature de Dieu identifies the nature en un of God élément particulier. Il est amour. He is love. Et c'est dans ce même passage qu'on a lu the same passage that qui nous we read, dit that tells us, Alléluia. Tel il est, verset 17, the same way that he is, verse 17. Tel nous sommes aussi we are the same way dans that ce is, monde. In this world. C'est en cela in this, amen,
que l'amour est parfait en nous. That love is made perfect in us. Je sais pas si vous comprenez. I don't know if you understand. Mais j'ai pas le temps de marquer les autres versions. I don't have to look at the other versions. On est en train simplement de dire, we're saying today, que parce que nous sommes amour, because we are love, dans ce monde, in this world, tel il est, the same way that tel he is, nous sommes. Is the same way that we are. Donc tel il est, the same way that he is, nous sommes aussi dans ce monde. We are the same way in this world. C'est en cela ou parce que l'amour, because love, est parfait, is perfect, en nous, inside of us. Est-ce que tu veux ne plus être malade? Do you want to be no longer sick? Est-ce que tu veux dominer l'année? Do you want to dominate this year? Est-ce que tu veux te voir en train d'atteindre ta destinée? Do you want to go to your destiny? Il y a une chose sur laquelle tu dois travailler. There's something you have to work on. C'est ce qu'on appelle l'amour. It's called love. L'amour. It's called love. Amen. Amen. Moins tu travailleras la vertu qu'on appelle l'amour, the less that you work on this virtue called love, moins tu seras ressemblant à Dieu, the less you look like God. On ne ressemble pas à Dieu, we don't look like God, parce qu'on fait beaucoup de miracles, because we do a lot of miracles. On ne ressemble pas à Dieu, we don't look like God, parce que lorsqu'on prie, on a eu de grosses entrées financières, because when we pray, we have great gains. On ne ressemble pas à Dieu, we don't look like God, parce que on a bénéficié d'un miracle, because we benefited from a miracle. On ressemble à Dieu, we look like God, parce que on développe l'amour. Because we develop love. Et lorsque je développe l'amour, when I develop love, il se produit une chose dans ma vie. It produces something je in my commence life. À contrôler. I start to control. Il ne m'arrive plus ce que je n'ai pas prévu. Nothing that I don't want il happens. Arrive ce que Dieu a prévu pour moi. What God planned, that's what happens. Alléluia. Amen. Je ne suis plus dominé. Celui qui aime n'est plus dominé par les frustrations. If you love, you're not dominated by frustration. Lorsque des gens te trahissent, when people betray ou te font du mal, they do evil to you, et que tu es dominé par la tristesse, and you're dominated by sadness, tu n'as pas le contrôle. You don't have control. Mais pourquoi les méchancetés des gens arrivent-elles à te dominer? Why do evil things that people do to you dominate you? Parce que tu ressembles de moins en moins à Dieu. Because you look less and less like God. Plus tu aurais ressemblé à Dieu, the more you look like God, il y a certaines choses qui te trouvent même pas touché. Some things won't even touch you. Alléluia. Est-ce que tu vois? Jésus n'était pas contrôlé par les rancœurs, par l'amertume. Jesus was not controlled by bitterness. Il est trahi. He was betrayed par Judas. By Judas. Mais il peut s'approcher et lui faire la bise. But he can come and give him a kiss. Et lui dit, mon ami. And say, my friend. Pourquoi? Why? Il a le contrôle. He had control. Il contrôle les émotions. He controlled his emotions. Il contrôle. He controlled. Il ne peut pas connaître de dépression. He cannot know depression. Il ne peut pas être vexé. He cannot be ashamed. Tu ne peux pas blesser Jésus. You cannot hurt Jesus. Parce qu'il y a une chose qui est en lui. There's something inside qu'il a développé. That's developing. L'image du Père. The image of the Father. Et la Bible nous dit que la clé, c'est l'amour. And the key is love. Amen. Dieu est amour. God is love. 1 Jean 4, 16. Et la Bible dit, tel il est, the way he is, tel nous sommes aussi dans ce monde. We are also in this world. C'est en cela, parce que l'amour est love. Parfait en nous. It's perfect inside of us. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. May that be your partage in Jesus. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis avec moi, Seigneur. This love, apprends-moi teach me à aimer. To love. Amen. Amen. Qui veut vraiment manifester l'amour? Who want to manifest love? Alléluia. Amen. Comme je vous l'ai dit, c'est une longue série. It's a long series, like I said. Alléluia. Amen. Mais je dirais les points juste pour ce culte. Et je prie que Dieu t'aide à travailler, à continuer à faire ce travail en toi. I pray that God will continue. Et c'est votre thème work. De toute l'année. But it's your theme for all this year. Pour moi, c'est comme le plus beau thème. To me, it's the nicest theme. Parce que avec l'amour, tu as tout. Because with love, you have everything. L'amour est plus grand que la foi. God, love is greater than faith. La véritable manifestation de l'amour manifeste la foi. The true manifestation of dans love la foi est dans l'amour. Faith is in love. L'espérance est dans l'amour. Hope is in love. Il y a tout dans l'amour. There's everything in love. Même lorsqu'on parle du fruit de l'esprit. When we talk about the fruits of the spirit. En fait, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. The fruit of the spirit is love. Maintenant, now, les autres aspects. The other aspects. Ne sont que des tranches de ce fruit. There are pieces of this fruit. Mais la forme principale du fruit, c'est l'amour. The main principle of this fruit is love. La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est la douceur. The fruit of the spirit is gentleness. L'amour est douce. L'amour est doux. Love is gentle. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. It's c'est ce qu'il est écrit. Mais 1 Corinthiens 13 dit, l'amour est patient. 1 Corinthians love is patient. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Alors, rapidement, quickly, je dis que tout commence par le fait que tu as accepté Jésus. Everything starts with when you, si tu suis mon message en ligne, if you see quel que soit l'endroit où tu es, wherever you are, ce qui va
pardon, tout commence par la réelle conversion. Everything starts with conversion. Alléluia. Le fait de recevoir Jésus vraiment dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. When you receive Jesus in your heart as your Lord and Savior. Amen. Je parle de manifester l'amour. I'm talking about manifesting love. Lorsque tu reçois Jésus dans ton cœur, when you receive Jesus in your heart, l'amour se pose en toi. Love comes inside of you. Un chrétien, a Christian, la vraie prière du chrétien, the great prayer of ce n'est the pas Seigneur, donne-moi l'amour. It's not give me love. C'est Seigneur, manifeste l'amour. Say God, let me parce manifest que l'amour love. Est déjà en nous. Because love is already par in le us. Christ. With Christ. L'amour de Christ est répandu dans nos cœurs. The love of Christ is already in our hearts. Par le Saint-Esprit. Through the Holy Spirit. Amen. Amen. Mais ce n'est pas parce que je possède une chose que je la manifeste pour autant. It's not because I have something that I manifest it. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Une fois, j'enseignais, c'est un frère qui m'a dit, mais pasteur, la Bible dit qu'on a déjà l'amour. Someone told me, pastor, the love, God, the Bible says we already have love. Je dis, oui, bien sûr qu'on a l'amour. I said, yes, of course we si, have love. À condition qu'on soit né de nouveau. You have to be born of new. Alléluia. Amen. Mais maintenant, il faut manifester. Now you have to manifest it. Un oiseau. A bird. A le potentiel de voler. Has a potential to fly. Mais il faut qu'il s'entraîne. But he has to be trained. Pour pouvoir manifester. So he can manifest. L'envol. The flight. Tu peux pas apprendre un chien. You can't take a dog. Et puis essayer de lui apprendre à parler. And try to teach him how to talk. Pour dire, je vais t'apprendre à parler anglais. You say, I'm going to teach you how to speak English. You want to teach to your dog. My dog. Say, daddy, daddy. Si on te voit ici, on va dire que tu es fou. If someone looks at you, they'll say, you're crazy. Pourquoi on ne peut pas apprendre à un chien à parler? Why can't we teach a dog to talk? Parce qu'il n'a pas le langage en lui. Because he doesn't have language inside of him. Mais un enfant qui vient de naître, but a child that's just born, est-ce qu'il parle? Does he talk? Mais pourquoi on va lui apprendre à parler? Why do you teach him to talk? Parce que le potentiel est en lui. Because the potential is inside of him. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est la manière dont tu vas le former. It's the way that you've been trained. Il apprendra créole, teach anglais, creole, espagnol, Spanish, français, French, toutes sortes de langues. All of these languages. Amen. Amen. On ne peut pas demander à un inconverti d'aimer. You can't ask someone who's unsaved to love. Parce que ce n'est pas en lui. Because it's not in them. C'est parce que l'amour, c'est Dieu. Love is God. Quand nous recevons Jésus, when we receive Jesus, Christ vient avec la nature de l'amour en nous. Christ comes with the nature of love inside of us. Un inconverti peut avoir des caractères qui ressemblent à l'amour. Someone who's not saved can have characteristics that look like love. Un peu comme si on disait qu'un perroquet parle. Like a parrot that's talking. Un perroquet peut pas avoir le langage. A parrot cannot talk. Un perroquet répète. He repeats. Mais un perroquet ne peut pas entretenir une conversation, vous parler, puis non. But a parrot cannot have a conversation. Donc, no. On a des gens qui sont des philanthropes. You have people who are philanthropists. Qui ne connaissent pas Jésus, qui manifestent certains caractères de l'amour. That they manifest characteristics of love. Mais l'amour de Dieu, but the love of God, est le trait caractéristique de tout ce qu'on appelle fils de Dieu. It's the characteristic of everything. Tel il est, tel nous sommes. How he is et nous we le are. Sommes devenus we are parce que Jésus-Christ est entré dans notre cœur. Il est en nous. Amen. 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 C'est la raison pour laquelle that's the reason maintenant why. On doit s'exercer. You have to exercise. Comme un enfant apprend à parler, just like a child learns to talk. On doit apprendre à aimer. You have to learn how to love. On doit apprendre à aimer. You have to learn how to love. Tu vas comprendre, en fait, peut-être pas ce culte-là, mais tu vas comprendre que et puis le passé vous l'a enseigné, l'amour de Dieu, ce n'est pas un sentiment. Love is not a sentiment, a feeling. Ce n'est pas inné. It's not innate inside ça of you. Est en toi. It's inside of you. C'est comme un enfant, si tu le laisses sans parent pour lui apprendre à parler, il ne parlera pas. Like a child, if you don't leave him without a parent to teach him, he's not going to talk. Mais ça y est en lui. But it's inside of him. L'amour se travaille. Work, you have to, love, you have to work it. De la même manière, moi j'ai décidé de parler anglais. Me, I decided to speak English. Je parle français. I speak French. That's why I start. I try to improve my English. Essayer parler anglais. Because I want to teach and to preach in English. Parce que je voulais enseigner et parler en anglais. Amen. I know that I will go around the world to preach the gospel. Je connais à travers le monde pour prêcher l'évangile.
Amen. I have to learn. Faut m'apprendre. English is in me. Anglais language is in me. Langage là en dedans. I can learn Spanish. Faut m'apprendre espagnol. I can learn many languages. Langage. But I have to learn. Mais faut m'apprendre yo. Tu dois apprendre. You have to learn. À manifester l'amour. To manifest love. Tu dois développer. You have to develop love. Mais pour développer, but to develop love, Jésus doit être en toi. Jesus has to be inside of you. Tu dois le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. You have to receive him as your Lord and Savior. Parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. It's the nature of God. Or, Adam et Ève ont quitté they left la nature de Dieu. The nature of God. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Alléluia. Amen. Sans l'amour, without love, tout ce qu'un chrétien peut faire everything a Christian can do est nul. Is nothing. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Alléluia. Et c'est là qui trompe beaucoup de chrétiens. That's where a lot of Christians make mistakes. C'est là qui trompe beaucoup de chrétiens. They make a lot of mistakes. L'église de Jésus, the church of Jesus, est vraiment en train de faiblir. It's very weak. Parce qu'elle est en train de perdre la nature, the nature de Dieu. Of God. Les gens viennent à l'église, people come to church, les gens remplissent les temples, they come to the churches, les gens ont des Bibles, they have Bibles, mais ce qu'ils doivent travailler, but the thing that they have to work qui va on, permettre de révéler Dieu au monde, that will reveal God to the world, et qui va leur permettre de régner dans ce monde, so they can reign on this c'est-à-dire earth, la vertu qu'on appelle l'amour, the virtue that we call love, est en train de disparaître. It's being disappeared. Et cette disparition est favorisée and its favoritism, par le fait que l'absence de l'amour the lack of love, ne prive pas de certains dons et de certaines caractéristiques du Saint-Esprit dans it nos vies. It doesn't lack some characteristics of the Holy Spirit. Et c'est de là life. Que vient la grande séduction. This is where the great seduction comes. 1 Corinthiens chapitre 13 dit, 1 Corinthians chapter 13, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, when I speak of the language of men and angels, je sais que ce sont des choses qu'on connaît, mais je reviens là-dessus. I know you know it, but I'll come back to it. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, when I speak of language, si je n'ai pas la charité ou si je n'ai pas l'amour, if you don't, I don't have love, ce que je fais n'est rien. What I'm doing is nothing. Ce qui signifie that means que quelqu'un peut avoir un des meilleurs parlés en langue au monde. Someone can have the best speaking in tongues tu peux, in the world. Quand tu pries en langue, by count the week you can, and by you can pray in tongues all you want. And on dit, wow! And everybody says, wow! It's powerful! Il est puissant! Mais la Bible dit, but the Bible says, tu peux atteindre un tel degré de don de langue, you can have this dimension of speaking in tongues, et ne pas avoir l'amour. And not have love. Si tu n'as pas l'amour, if you don't have love, ton don de langue, this gift that you have of speaking in tongues, est vain. Is vain. Amen. Ramène-moi le texte. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, give me the text, please. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, when I talk the tongues of men, si je n'ai pas l'amour ou la charité, if I don't have love, je suis un airain qui résonne, I'm like a cymbal that's just making sound, ou une cymbale qui retentit. Ah, peut-être qu'on vous a déjà fait cette expérience. Où est le batteur? Where's the drummer? Frappe encore la cymbale. Hit the cymbal, please. Très fort. Louder. Vous entendez? You hear that? Est-ce que c'est agréable? Is that good? Si il continue cela, on va vouloir lui lancer des cailloux. If he continues, we'll throw rocks at him. Voilà ce que Dieu nous révèle. Here's what God reveals lorsque to us. Quelqu'un prie en langue, when someone prays in tongues, et il n'a pas l'amour, c'est-à-dire il ne pardonne pas à son frère, and he doesn't forgive his brother, sa prière en langue, this prayer in tongues, ressemble à ça. Sounds like that. C'est ce qu'on entend au ciel. That's what we hear in heaven. Down. Et lui, il est là. Rekatarama. He's speaking in tongues. He's just speaking in tongues. Frère, tape la cymbale. Say the cymbal. Rekatarama. Rekatarama. Les anges. The angels. Disent, il faut qu'il arrête, qu'il se taise, qu'il se taise. Have him shut up. Et c'est pas des démons qui viennent t'arrêter. It's not demons that's telling you to stop. Parce qu'au ciel, because in the heaven, on entend ces bruits. We hear this noise. Alors même le Saint-Esprit, even the Holy Spirit, vient de dire c'est bon. He says it's okay. Tu as beaucoup de choses à faire, n'est-ce pas? You have a lot of things to do, right? Arrête de prier. Just stop praying. Va travailler, c'est bien. Just go. Parce que tu mets du bruit au ciel. You put too much noise in heaven.
Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? C'est pas moi qui le dis. It's not me that said c'est la Bible. It's the Bible. La Bible dit, the Bible says, quand j'aurai le don de prophétie, when I have the gift of prophecy, donc on peut prophétiser. You can prophesy. On peut même avoir des paroles de révélation très précises. You can have precise revelation of words. Et ne pas avoir l'amour. And not have love. Ce qui séduit les chrétiens, what seduces, c'est que le degré de don spirituel qu'ils manifestent, the degree of spiritual gifts that leur they have, donne l'impression give them the impression que Dieu les apprécie. That God appreciates them. Si je peux voir le futur, if I can see the future, c'est que Dieu est d'accord avec moi. That means God is okay with me. 1 Corinthiens 13 dit, c'est pas forcément ça. 1 Corinthians 13 says that's tu not true. Tu peux prophétiser. You can prophesy. Et ne pas aimer. And not have love. Moi, je connais beaucoup de prophètes. I know a lot of prophets. Des gens qui ont des dons de révélation. They have gifts of revelation. Mais qui sont profondément méchants. But they are very evil. Ouais. Des gens, ils te voient, ils peuvent te donner ton nom, ton prénom, ton they can adresse. Give you your name, your address, and all of the information. Dieu ouvre leurs yeux. God opens their eyes. Mais ils sont remplis de colère. But they have a lot of anger. Et de haine. Et Dieu dit, tous ces dons, c'est rien. All of these gifts are nothing. Quand j'aurai, even if I have, la science de tous les mystères, the science of all of the mysteries, tu peux être un chrétien qui comprend tout ce que Dieu écrit dans la parole de Dieu. You can be a Christian that understands everything in the Word si of God. Si tu n'as pas l'amour, if you don't have love, c'est zéro. It's zero. Un peu comme si tu additionnais des choses. It's like when you add things. Prier en langue, don de prophétie, pray in tongues, prophecy, vie de jeûne et de prière, praying and fasting. Et puis tu n'as pas l'amour. And you have love. C'est comme si on venait tout multiplier par zéro. And when you multiply that by zero, c'est égal à zéro. It equals zero. C'est moi qui soulève tout dans l'église. I do everything at the church. Mais est-ce que ce que tu le fais avec amour? But do you do it with love? Alléluia. Amen. Si tu fais des choses sans aimer, if you do things without love, c'est zéro. It's zero. Quand tu vas arriver au ciel. When you go to heaven. Oh, j'étais à Tabernacle of Glory. Oh, I was at Tabernacle of Glory. C'est moi qui chantais. I was singing. Mais ta voisine. But what about your neighbor? Je ne la supporte pas. I didn't support my neighbor. Donc, écoute, je vais te dire, tous tes chants. All of your songs. C'est zéro. It's zero. Mais pourquoi Jésus? Why Jesus? Je passais beaucoup de temps en prière. I spent a lot of time praying. Oui, mais tu n'arrives pas à pardonner à ta voisine. But you didn't forgive your neighbor. C'est zéro. That's a zero. C'est pas moi qui dis. I didn't say it. C'est Jésus. Jesus said it. Quand j'aurai la science de tous les mystères. If I know all of the mysteries of this world. Il va jusqu'à dire quand j'aurai la foi qui déplace les montagnes. Even if I have faith to remove mountains. C'est une grande foi. That's a great faith. Une foi. That's a faith. Tu dis à la foi montagne. You say mountain. Bouteille, déplace-toi. Go away, Bible. Puis elle se lève. And it comes. Si vous voyez un homme de Dieu comme ça. If you see a man of God like that. Alors ça. Jésus est revenu. Say, Jesus has come back. Mais Dieu dit, quelqu'un peut développer un grand niveau de foi. God says someone can have that level of faith. Et ne pas aimer. And not love. Et quand bien même sa foi serait la plus haute possible. Even though their faith is the highest possible. C'est rien. It's nothing. Et on continue. Let's continue. Quand je distribuerai toute ma nourriture pour les pauvres. Even if I have given all of my food to the poor people. Oh là là. Wow. Ça, on a fait ça en Haïti, hein? We did that in Haiti, remember? Mais tu peux aller donner des habits. But you can give clothes. Amener des malades à l'hôpital. Bring the sick to the hospital. Et ne pas aimer. And not love. Tu peux faire beaucoup de belles œuvres. You can do all great. Mais sans amour. But without love. C'est rien. It's nothing. Même livrer ton corps. Even to give yourself. Et puis, verset 4, il va continuer. Verse 4. L'amour est patient. Love is patient. Donc comment je sais que j'aime? How do I know that I love? Parce que je suis patient. Because I'm patient. Ça veut dire je sais attendre sans m'énerver. That means I know how to wait without getting upset. Et la patience? Patience. C'est savoir attendre. Is to know how to wait. Quelqu'un ou quelque chose qui est prévu arriver à un moment donné. Something that's going to happen at a certain time. Sans se mettre en colère. Without being si upset. Si la chose n'arrive pas. If the thing does not happen. Si tu te mets en colère. If you get upset. Parce que les choses sont pas là au moment où tu aurais souhaité. Because things aren't there when you wanted them. Les gens vont te dire que tu as raison. People will say, well, you have reason. Mais Dieu dira que tu es impatient. God will say that you are impatient. Et Dieu dit c'est l'élément par lequel tu peux être conscient que tu n'as pas l'amour. You can be conscious that you don't have love. Parce que tu dis mais aimer c'est quoi Jésus? Jesus, what is love? Il y en a qui disent moi je ne déteste personne. There's people say I don't hate nobody. Bien sûr que dans l'amour il y a le fait de ne pas détester les gens. There are that aspect to love, yes. Mais l'amour est patient. But love is patient. Quelqu'un qui aime est patient. Someone who loves is patient. Donc moi personnellement
Je dis que l'amour se travaille. I say God, love de gloire en gloire. From glory to glory. Je dois travailler si je veux. Si je veux plus pour plus ressembler à mon Dieu, if I want to look like God more, je vais davantage travailler ma capacité à attendre sans me fâcher. I need to work at my capacity to wait without being upset. Je ne vais pas dire parce que je prie que les malades, les paralytiques marchent. Because I pray that the paralysis walk. Je ressemble à Jésus. I look like Jesus. No. Je ne ressemble pas à Jésus. I don't look like Jesus. Parce qu'un paralytique a marché à ma prière. Because this person walked because I prayed. Je ressemble à Dieu. I look like God. Parce que j'aime vraiment le paralytique. Because I love this paralytic person. Parce que vous savez, vous pouvez prier pour des gens. You can pray for people. Pour qu'on vous célèbre. So people celebrate you. Vous pouvez donner vos biens aux autres. You can give your things to other people. Pour qu'on vous élise aux prochaines élections. So they give you the favor in the election. Vous pouvez faire de grandes vidéos. You can do great videos. Pour qu'on dise que vous prêchez bien. So they can say you preach well. Tu peux bien chanter Jésus. You can sing to Jesus. Pour qu'on dise que tu chantes bien. So they can say you sing well. Mais ce n'est pas par amour pour Dieu. But it's not because you love ni God, pour ton prochain. Or your neighbor. Mais par amour pour toi-même. But love for yourself. C'est pas l'amour. That's not love. Ton chant c'est zéro. Your song is nothing. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Comment je sais que j'ai l'amour? Je suis patient. How do I know that I love? Comment je sais que j'ai l'amour? L'amour est plein de bonté. Love is full of goodness. L'amour n'est pas envieux. It's not envious. L'amour ne se vante pas. It does not boast. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. It's not prideful. L'amour ne fait rien de malhonnête. It does not do anything evil. Et il dit, l'amour excuse tout. Love excuses everything. L'amour pardonne tout. It forgives everything. Alors, est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Ça veut dire quoi? L'amour pardonne toujours. Love always forgives. Si tu dis à quelqu'un, if you say to someone, ça fait trois fois que tu me manques de respect. You disrespected me three times. La quatrième fois, the fourth time, j'agis. I'm gonna do something about it. Je ne te parle plus. I'm not gonna talk to you about it anymore. Ton degré d'amour, your level of love, c'est trois blessures, is three people that you hurt, et après quoi tu agis. And after that, you will act. Est-ce que tu sais que Dieu va te traiter comme ça? You know what? That God's gonna treat you the same way. Le Seigneur dit, pardonne-moi comme moi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. It says, forgive me just like I forgive those who hurt me. C'est la prière qu'on fait, n'est-ce pas? That's the prayer that we make. Alors right? Si toi tu pardonnes trois fois, if you forgive three times, tu dis à quelqu'un, you say to somebody, ne refais plus ce que tu as fait. Don't do that again. Et plus tard, trois mois plus tard, il refait encore. And three months later, they do it. Tu dis c'est la deuxième fois. You said it's the second time. Tu ne refais plus ça. Don't do that again. Quatre mois plus tard, il refait encore. Four months later, he does the same thing. Souvent, ça entre la femme et puis le mari. That happens sometimes between husbands Marie and wives. Marie dit à sa femme. And the husband says to the wife, je t'ai dit. I already told you. Madame dit, je t'ai dit. I already told you. Ça fait la quatrième fois que tu me fais ça. It's the fourth time you did that to me. À partir de maintenant, from now on, je ne te donne plus rien. I'm not giving you anything else. Je ne te salue plus dans l'église. I'm not gonna say hi to you at church. Quand tu arrives au culte, tu te mets d'un côté. When you come to the service, you go somewhere and I'll go somewhere else. En fait, tu expliques tout ce que tu veux. You explain everything that you want to your wife. Devant le ciel, tu as raison. Before heaven, you have reason. Ça fait quatre fois quand même qu'il refait la même erreur. But yeah, it's four c'est times. C'est un peu trop. That's a little bit too much. Mais dès cet instant, but at that time, toi aussi dans la vie, tu as droit à quatre erreurs. You too, you have your faults. Car la Bible dit, the Bible says, on va te mesurer comme tu mesures les gens. They will measure you the way that you measure other people. Alors, Dieu t'observe. God is looking at you. Alléluia. Alléluia. Dieu te dit, prie. God is saying, pray. Lève-toi avant le lever du soleil, prie. Pray before the sun comes up and pray. Jésus, j'avais trop sommeil. Ah, Jesus, I was too tired. Premier avertissement. That's the first warning. Dieu te dit, God tells you, fais telle offrande. To give your offering. Ah, Jésus, c'est compliqué. Ah, it's complicated, Jesus. Deuxième avertissement. That's the second warning. Fais attention. Ah, be careful. Et tu vas finir par faire quatre choses. And then you're gonna do four things. Et dès cet instant, and that time, tu dis bon, je te pardonne comme tu pardonnes aux autres. And he's gonna say, I'm gonna forgive you when you give it to the others. Là, c'est fini, je ne te parle plus aussi. I'm not gonna talk to you anymore, says Jesus. Il y a des croyants. There are people. Dieu ne leur parle plus. God Dieu don't ne talk leur adresse plus la parole. God don't talk to them anymore. Parce que eux, ils ont atteint le quota. La limite qu'ils avaient donnée à d'autres. Because they have the limit that they gave to the other person. L'amour de Dieu. The love of God. Pardonne tout. Forgives everything. Dis avec moi, Seigneur. Say God. Apprends-moi. Teach me. À aimer. To love.
Alléluia. Alors, dis à ton voisin, c'est possible d'aimer. Say to your neighbor, it's possible to love. C'est possible de manifester l'amour. It's possible to manifest love. C'est possible de manifester l'amour. It's possible to manifest love. Amen. 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 Et on va apprendre par la suite que l'amour, comment on développe l'amour? L'amour se développe en quatre sens. Love develops in four senses. Et je sais que par le Saint-Esprit qui est en toi, tu vas y arriver. And I know with the Spirit that's inside of you, you will attain that level. Amen. Tout d'abord, je te dis qu'il faut, il faut naître de nouveau. You have to be born of new. Tu peux arriver à une dimension où tu vas tout pardonner. You can come to the dimension where you tu forgive everything. Tu peux vivre une dimension où tu es patient. You can have a dimension where you're où patient. Où plus personne n'arrive à te vexer. Where people don't shame you anymore. Quand tu aimes, tu es libre. When you love, you're free. Celui qui manifeste l'amour est plus fort que celui qui manifeste la haine. Someone who manifests love is stronger than the person who manifests hate. L'amour, le véritable amour fait que tu souffres plus. It makes that you don't suffer anymore. Et tu dégages de la puissance. And you release la power. Puissance de Dieu même. The power of God himself. Tu brilles de la gloire de Dieu. You shine of the glory of l'amour God. Ressemble à un instrument fragile. It's like a fragile instrument. On a l'impression que ceux qui aiment sont fragiles. It's very fragile. C'est la vraie puissance. It's the real power of God. L'amour est plus fort que la foi. God, love is more powerful. Si than la faith. Foi déplace des montagnes, if faith moves mountains, l'amour déplace le ciel. Love moves the heavens. La foi se limite à des montagnes terrestres. Faith is just l'amour déplace mountains. Des étoiles. Love will move the stars. L'amour fait bouger. L'amour, c'est l'amour qui a amené Dieu à donner son fils. L'amour. It's love that made God give his son. Jésus a quitté la gloire à cause de l'amour, pas à cause de la foi. Jesus left the glory because of love, not because of faith. L'amour, love, déplace plus moves, que des montagnes. More than mountains. La montagne c'est une chose trop petite pour l'amour. Mountain is just little, too little for love. Que tu grandisses dans ton amour. So I declare you grow in love. Qu'en 2020, pendant que vous abordez ce thème et le pasteur va l'aborder, le traiter, que tu t'y donnes à fond. I pray that you go into deep with love. Surtout dans ce siècle de la fin. Especially on this end of this century. Surtout dans ce siècle de fin. Especially in this end of the century. Matthieu 24 verset 11 dit. Matthew 24 verse 11 says. L'iniquité sera tellement accrue. There's going to be so much sin. Que l'amour du plus grand nombre se refroidira. That faith will go down. Verset 12 13. Et parce que, verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. La Bible dit, plus il y a l'accroissement de la méchanceté, du mal, aura une tendance à faire baisser l'amour. It's gonna decrease love. Mais Dieu dit au verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Peu importe l'accroissement du mal autour de toi, en cette saison, tu fais la différence, tu manifestes l'amour de Jésus, tu es patient, tu es bon. Qui veut manifester l'amour de Christ? L'absence de l'amour de Christ est la cause de la faiblesse actuelle de l'Église sur les nations. The lack of love is the reason why c'est ce qui fait so qu'on ne touche pas davantage de vie. We don't touch life. On a des miracles. We have miracles. Mais les nations ne sont pas impactées. But the nations are not impacted. Parce que c'est l'amour qui impacte. Because it's love that impacts. Que Dieu nous donne l'amour. May God give you love. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Alors comment on développe cet amour? How do we develop this love? Je vais juste présenter les quatre aspects present que je développerai dans les cultes suivants. And I will develop them in the other services. Quelqu'un donne un bon amen. Say amen. J'entends pas ton amen. I don't listen to your amen. Je veux entendre un amen très fort. I want to hear a loud amen. Là, je commence à t'entendre. I'm starting to hear you. Alléluia. Éphésiens. Ephesians. Chapitre 3. Chapter 3. On va commencer au verset 17. Starting with verse 17. On va les lire ensemble. We'll read together. Pardon, commençons au verset 16. Verse 16. Ok, on y va ensemble. 1, 2, 3. Let's read together. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour,
vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Alléluia. La Bible dit que quand l'amour de Christ surpasse toute connaissance, ça veut dire toute science, l'amour est ce contre quoi Satan lutte le plus dans ta vie. It's the same thing that Satan fights more than anything in your life. Les guerres spirituelles que tu vis. All of the spiritual fight that you Satan have. Satan n'a pas peur que tu aies de l'argent. He's not afraid when you have money. Il peut t'en donner. He can give you money. Ce qu'il veut enlever. What he wants to remove. C'est Dieu en toi. It's God in you. C'est l'amour. It's love. Car Dieu est amour. God is love. Il peut te donner un mariage. He can give you a marriage. C'est pas un problème pour lui. That's not a problem for him. Mais ce qu'il craint. But what he's scared of. C'est Dieu. Is God. Et Dieu est amour. And God is love. C'est l'amour dans votre foyer, l'amour que votre foyer va dégager. It's the love that your family will have. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? La Bible dit que quand plus l'amour se développe, même dans tes cellules. Even in your churches. Il y a une partie du message. Je crois que c'est quand je parle de la profondeur de l'amour, j'explique que l'amour est la clé de la haute connaissance intellectuelle. Love is the key of thankfulness. Amen. Amen. Y a plusieurs manières de faire un travail. There's different ways you can do a work. Y a des gens qui travaillent parce qu'ils veulent de l'argent. There are people who work because they want money. Le travail lui-même. Work itself. Parce que tu cherches l'argent au travers de lui. Va pas te révéler ses secrets. Work will not reveal certain things to you. Il y a des gens qui travaillent. There are people who work parce qu'ils ont la foi. Because they have faith. Que par ce travail, with this work, ils atteindront des objectifs. They're going to reach their objectives. Et il y a d'autres personnes. There are other people. Je prends par exemple la cuisine. For example, cooking. Il y a des gens qui veulent faire la cuisine. There are people who want to cook. Juste pour gagner de l'argent. Just to have money. Et il y en a certains. There are other people qui développent la cuisine who develop parce cooking qu'ils aiment la cuisine. Because they love cooking. Est-ce que vous savez que quand vous aimez quelque chose, do you know that when you love something, la chose même, the very thing, vous explique des choses que les autres ne savent pas. Will explain to you that others who don't know. Amen. Oui. Celui qui aime les mathématiques, someone who loves math, et puis celui qui se sert des mathématiques, and someone who just uses math, les mathématiques vont pas leur révéler les mêmes secrets. Math will not reveal the same secrets to that person. Every being, un enfant, a child, un homme, a man, une femme, a woman, manifeste son vrai potentiel, manifest their true potential, dans l'environnement de l'amour. In the environment quand of les love, gens se sentent aimés, when people feel like they're loved, tout ce qu'il y a de bon jaillit. Everything that's good comes. L'homme est conçu dans l'amour. Man was created in love. Dieu a conçu l'homme. L'amour c'est la nature de Dieu. It's the nature of God. Lorsqu'on quitte l'amour, when we leave love, on perd tout. Écoutez, le cancer est un symptôme du manque d'amour. It's a symptom of lack of love. Beaucoup de maladies. There's a lot of sicknesses. Vous savez, l'âme est dans le sang. In the blood. Et lorsque l'âme prend des blessures, des coups, et qu'il ne pardonne pas, ça pollue le sang. When love doesn't ça love, donne toutes sortes de choses. It gives all types of sicknesses. Mais toutes les maladies, dans le fond initial, c'est dû à l'absence de Dieu. It's absence of God. Or Dieu est amour. God is love. C'est-à-dire l'absence de l'amour. The absence of love. Les guerres, les haines, the wars, les blessures, hatred, les divorces. Hurts, divorces. En fait, citez-moi tous les problèmes. C'est juste l'amour qui manque. All of these problems, it's just a lack of love. Quand on dit Dieu est absent, when you say God is absent, mais tout le monde croit que Dieu existe. La foi en Dieu. The faith of God, everybody knows that God exists. Il y a énormément de gens qui ont foi que Dieu est vivant. There are people who know that God is alive. Mais ce n'est pas la foi en Dieu qui donne la vie. It's not the faith of God that gives life. La vie vient de l'amour. Life comes from love. Un foyer sans amour est mort. A family without love is dead. Dans une entreprise, in a business, où les gens travaillent sans amour, where people work without love, ça devient juste une entreprise qui gagne l'argent, et les gens qui travaillent dans ce genre de boîte sont stressés. And the people who work there, they're stressful. C'est pourquoi il y a beaucoup money de dépression. Because there's a lot of depression. Il faut produire de l'argent. You have to produce money. Les gens n'aiment pas leur métier. Ils travaillent pas juste pour le profit. They just work for profit. They don't love it. Ça détruit l'esprit des gens. It destroys the spirit of people. Et les hommes travaillent et ils sont déprimés. And they're just depressed. Angoissés.
They're just embarrassed. Ils rentrent à la maison et puis ils pleurent. And they come to house and quand est-ce que ma vie va changer? When will my life change? L'ingrédient. The ingredient. Manquant, c'est Dieu. That's missing is God. Dieu est en tout. Quel aspect de Dieu? Sa nature même. His nature. L'amour. Is love. Alléluia. Avec moi, Seigneur, God, manifeste en moi manifest in me cet amour. This love. Amen. Alors je continue la lecture. Il dit la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, verset 19, love of Christ, verse 19. Qui surpasse, on lit ensemble, qui surpasse toute connaissance, et on continue, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à quoi? C'est effrayant. Yeah. Il dit, says, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à. Mais so amis, filled, on ne dit pas un peu de Dieu. We didn't say a little bit of God. Toute all la plénitude. Of the fullness of mon God. Dieu, Dieu est infini. God is infinite. Comment? De quoi Paul? Tu parles de quoi? What is he talking about? Paul dit. Paul says. Il y a quatre choses à développer. There's four things to develop. Il dit, il faut que vous développez. Vous puissiez comprendre la largeur. You need to know the width. Voici les mots. Ramène-moi le texte. Il dit la largeur. Words. Please put the words for me, please. Amen. Il dit et connaître l'amour de Christ par toute connaissance, de sorte que vous, il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. The width. L'amour a une largeur. Love has a width. La longueur. The length. L'amour a une longueur. Love is a length. La profondeur. The depth. Profondeur. There's a depth to love. Et la hauteur. And the height. Ça fait quatre. There's four. Ça, les quatre dimensions de l'amour. There's four dimensions of love. Il dit si ces quatre aspects. If these four aspects. Vous savez, il y a des gens qui manifestent l'amour. Do you know people who manifest love? Mais ils sont soit seulement, ils sont profonds. They're just deep. Ils sont profonds en They're amour. They're just deep in love. Mais si tu as la profondeur, tu n'as pas toute la plénitude. But if you're just deep, you don't have all of the plenitude. Il y a un côté de l'amour qu'on appelle la largeur. There's the largeness of love. Il y a un autre aspect de l'amour qu'on appelle la longueur. There's the length of love. Il y a un autre aspect de l'amour qu'on appelle la profondeur. There's the depth of love. C'est la profondeur. It's the depth. Qui révèle, la Bible dit la profondeur appelle la profondeur. The depth will call in the depth. C'est l'amour développé dans sa profondeur qui rend les gens qui développent, qui vous permet d'avoir l'intelligence. It's the depth of love that will give you intelligence. La connaissance, ça veut dire la profondeur va développer de la science. Ça veut dire vous commencez à voir les choses telles que Dieu les voit, you see things, à comprendre le mécanisme des choses. The mechanism of things, the depth will do that for you. La largeur, the larger, vous donne accès, will give you access, à l'accomplissement de toutes les prophéties et de tout le plan de Dieu pour vos vies. La largeur. Je vous le montre, je vous l'expliquer. The length will give you all the plans of God. Un chrétien qui ne manifeste pas l'amour dans sa largeur, a Christian that does not manifest the length of God, entendra des promesses, will hear promises, mais ne les verra pas se réaliser, but will not see them manifest. Les promesses de Dieu dans ta vie se manifestent en fonction de la largeur de ton amour. The promises will manifest in function of the length of Je your love. Je vais t'expliquer ça dans la parole de Christ. And I'm going to explain this in the word of God. Pas de la profondeur. Not on the depth. La profondeur produit autre chose. The depth produces other things. La capacité à être au-dessus de toute épreuve. The capacity to be above all of your trials. De n'être blessé ou atteint par quoi que ce soit. Not to be hurt about anything. Se développe dans ce qu'on appelle la hauteur de l'amour. That's the height of love. Se connaître avec les saints la hauteur. You have to know the height. The height of love. Quand vous êtes dans l'amour en hauteur. When you're high in love. Vous êtes comme un aigle. You're like an eagle. Vous volez au-dessus des vallées. And you fly above des montagnes. The valleys and the mountains. Quand l'amour est en hauteur. When love is in height. C'est quand l'avion vole. It's when the plane flies. Tu ne peux pas lui lancer un caillou. You can't throw a rock at it. Tu ne peux lancer un caillou qu'à quelque chose qui est à ta hauteur. You can throw a rock to something that's in your height. Quand vous aimez les gens. When you love people. Simplement avec la largeur. Just with the light. Mais vos amis, les gens vont vous blesser. People will hurt you. Et les coups que vous allez prendre dans la vie. And the hits that you're going to get vont finir par vous amener à vous renfermer sur vous-même. You're going to fall upon yourself. Parce qu'en fait, il y a une quatrième dimension. There's a fourth dimension.
qu'on appelle la hauteur. That we call the height. La hauteur de l'amour. The height of love. Fait en sorte que vous êtes au-dessus des problèmes. You're above all of the problems. Donc, vous voyez des gens. You see people. Ils peuvent gesticuler. They can give you issues. Mais vous êtes tellement hauteur. But you're so high. Qu'on ne vous atteint pas. That it doesn't bother tout you. Tout en continuant d'aimer. As you love. En continuant de faire du bien autour. As you doing good to other people. Sans être affecté. Without being affected. Par l'attitude des gens. With the attitude of other people. Parce que vous êtes quelque part d'autre. Because you're somewhere else. Ça fait la hauteur. The height. Beaucoup de chrétiens faiblissent dans l'amour. A lot of people don't grow in love. Parce qu'ils manquent de la hauteur. Because they don't have the height of love. En amour. And love. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dit, il faut connaître toutes ces quatre dimensions. You have to know all four of these levels. Et quand ces quatre dimensions sont en place. When these four levels are in place. Il dit afin que vous puissiez avoir toute la. En fait, ce mot là m'effraie. This word really scares me. Plénitude. The fullness of God. Je dis Paul, attends s'il te plaît. He's, I would say, pause, just wait a little bit. Tu dis quoi? What did you say? Dieu. God. La plénitude. The fullness. Ça veut dire la totalité. That means the totality. Un homme. A man. Il dit oui, mon fils. He said yes, my son. C'est ça le grand mystère de Dieu. That's the great mystery. Le grand Dieu. The great God, par amour, by love, est venu dans un petit corps. Comes into a little body. Tout l'amour de Dieu était en Jésus. All of the love of God was in Jesus. C'est pourquoi il parle de connaître l'amour de Christ. That's why it talks about the knowing the love of Christ. Parce que tout est en Christ. Everything is in Christ. Everything. Et c'est Christ. It's Christ. Qui rentre en nous. That comes in you. Il existe en toi. He exists inside of you. Le jour où tu as fait cette prière, Jésus. The day you made the prayer, you said Jesus, come inside of me. Dieu dans toute sa plénitude. God in all of his fullness. Est venu entrer en toi. He came into inside. La plénitude. The fullness. C'est comme un petit grain. It's like a little grain. Un grain de le grain d'un arbre, la semence d'un arbre. It's like a little seed of a tree. Ne possède pas, n'est pas juste un grain. It's not just a seed. Ce n'est même pas un arbre. It's not even a tree. Dans un grain. Inside of a seed. Il y a des milliers de milliers de forêts. There's millions of forests. Parce qu'un grain. Because one seed peut produire un arbre. Can produce a tree. Qui va produire des grains. That will produce other seeds. Qui va produire encore des arbres. Other of trees. C'est ça le mystère de Dieu. That's the mystery of God. C'est un peu comme la semence de l'homme. It's like le sperme. The seed of man, sperm. Ça peut être des générations dans un tout petit truc. It can be a generation, a little bit of sperm. Christ. Christ. Est la semence de Dieu. Is the seed of God. Christ. Christ. Le Christ. The Christ. Si ta semence, if your seed, si tu es un homme, mis dans ta femme, put it into your wife, produit un enfant à ton image. Produces a child according to your Christ, image. Christ est la semence is the seed qui, lorsqu'un homme reçoit, that when a man receives, est capable is able de produire to produce Dieu. God, Dieu. God. La Bible dit, the Bible says, Christ en nous, Christ in us, l'espérance hope de la gloire. Of glory. Que Dieu te bénisse abondamment. May God bless you abundantly. Que la faveur de Dieu soit avec toi. May the favor of God be with que you. L'amour de Christ soit ton partage. May the love of God be with dis avec you. Moi, Jésus, say Jesus, manifeste à moi manifest in me ton amour. Your love. Ton amour. Your love. Seigneur, God, cette année, this year, je veux apprendre I want to learn à manifester to manifest ce que tu as déposé what, déjà en moi. What you put already in me. L'amour. Love. L'amour. Love. Au nom de Jésus. In Jesus name. Amen. Amen. God bless you. Amen. Shekinah App. Téléchargez-le. Kounia.